Le casting de la prochaine élection Miss France continue de se dessiner, après la Nouvelle-Calédonie et l'Auvergne, qui seront respectivement représentées par Océane Le Goff et Alicia Ladeveuse. C'est la région Rhône-Alpes qui a élu son ambassadrice. Ce dimanche 19 septembre, toutes les sélectionnées participeront à un concours national atypique en cette année de transition. Puisque Data Link People égale à des 08 9 7 8 2 2 à 41e 4 895 B 264 1697 A 60 à 28, Sylvie Tellier et peut-être Jean-Pierre Foucault quitteront leurs fonctions à l'issue de cette soirée riche en émotions. Et d'émotions, il en sera question pour toutes ces jeunes femmes prêtes à changer radicalement de vie. Esther Coutin se prépare depuis longtemps à cette destinée, avant de décrocher la couronne régionale. À Aix-les-Bains, cette charmante brunette avait tenté sa chance à deux reprises, 2017 et 2018, en vain. Désormais âgée de 24 ans, la titulaire d'un doctorat d'expertise comptable a pu bénéficier sur l'assouplissement des critères de sélection. Il n'y a plus de limite d'âge pour pouvoir concrétiser son dessein. Je me suis sentie portée durant toute cette aventure et cette élection, même si je le fais pour moi. J'ai aussi participé à cette aventure pour les autres. Je ne réalise pas du tout ce qu'il s'est passé. J'en ai tellement rêvé, j'ai peur de me réveiller, a-t-elle notamment lancé. Après avoir séduit les membres du jury à chacun de l'un de ses passages sur scène. Déterminée, Esther Coutin ne compte pas faire de la figuration à Châteauroux en décembre prochain. Je serai la Miss des montagnes pour porter la couronne au sommet du Mont Blanc, espère celle qui voudra illuminer la scène comme le soleil sur la neige. Ses partisans ont déjà fondu devant ses grands yeux marrons.